Bah, c'est une équipe qui a fait ses preuves. Et c'est... Ils ont 4 étoiles, oui. On en a que 2, on a encore du chemin pour les rattraper. Dernière question avant de profiter de ces derniers moments. Retour en direct à Munich pour ce premier match de Ligue des Nations pour le retour des Bleus d'Antoine Griezmann. 67 000 spectateurs, on le disait, dans cette enceinte absolument magnifique. Mbappé qui est touché après que le ballon est sorti devant lui. Il est quand même très étonnant, le jeune attaquant de Leipzig, parce que toute l'Allemagne l'attendait comme le successeur de Miroslav Klose. Côté gauche pour l'instant, Griezmann. Bien joué aussi dans l'axe avec le premier ballon pour Mbappé. Hummels, Rüdiger. Non, c'est Mbappé. Bien ça, c'est bien ce pressing, cette récupération française. Du bout du pied, avec un il montre le bout de son nez, minute après minute. Ouais, l'équipe de France là qui monte un petit peu en puissance, là on est parti d'abord d'un... une bonne coordination sur un pressing avec un ballon récupéré, ce centre, et derrière c'est Kimmich qui doit dégager en difficulté. Pavard. Voilà, ça va passer par une réduction du nombre de touches. Là ça a été moins bien, c'est la tête de Lucas Hernandez qui éloigne le danger. Mbappé. Kanté. Qui voilà. Rend ce ballon à Kylian Mbappé. Axe, cette relance plein axe là, dangereux. Bon, j'ai dit qu'il y avait 55 pays, c'est un début. Oui, parce que c'est long pour raconter, pour expliquer. Oui. Ça va être compliqué dans la un... La différence sur Kroos, et peut-être que ce champion du monde en titre va étoffer sa panoplie aussi tactique. Va être obligé de s'adapter elle aussi, cette équipe de France. Varane. Mbappé. Kylian Mbappé côté gauche. Avec Boateng face à lui. La première fin devant la première période. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs individuelles et collectives là pour l'instant. On est d'accord que discipline des deux côtés, c'est. C'est vrai que c'est probablement la première fois qu'on le voit prendre l'initiative sur un coup de pied arrêté, prendre le coup franc. Pavard avec Kylian Mbappé, ils sont deux sur Kylian Mbappé qui s'en sort à nouveau avec Benjamin Pavard qui pousse trop. Alors si certains ont connu un début de saison dans leur club un peu compliqué, Pavard. Ouais. C'est largement jouable et faisable. Pour des joueurs de ce niveau-là. C'est loin. Sur la Coupe du Monde, 4 buts chacun. C'est Mbappé qui prend sa chance. Et Neuer, parfait. Antoine Griezmann. Et on revoit le coup franc de Mbappé. Avec la bonne lecture de... Oui, dans les dernières secondes de ce premier acte. Griezmann. Oh, Mbappé, ça sera pour... C'est pas fini. Pour Blaise Matuidi. Qui va éviter la sortie de but, tête de Pogba, Hummels. Là, maintenant, c'est terminé. Ils ont du mal, les Allemands, à se donner. Varane, Mbappé. Eh oui, quand ça s'accélère, quand il n'y a qu'une touche, forcément, le jeu devient plus fluide avec Blaise Matuidi. C'est pas terminé, Kylian Mbappé, surface de réparation. Oh, derrière, il y avait la tentative de talonnade d'Olivier Giroud. Ils auront tremblé jusqu'aux derniers instants de cette première période, les Allemands, avec des Bleus qui terminent bien ce premier acte. Ouais, avec ce bon centre-là de Pavard. Matuidi qui est un petit peu court. Puis derrière, Mbappé. Là, cette équipe de France qui a été fidèle à ce qu'elle a fait dans la Coupe du Monde. Défensivement, elle a rien laissé. Les Allemands un petit peu plus solides aussi. Et donc deux équipes qui se sont finalement assez contrôlées d'espace. Merci Didier. Et pas de changement pour cette seconde période. Et il y en aura trois, un maximum. De son jeu. Et là, on voit bien que défensivement, elle est... 14 ou bien vous appelez le 36-80. Paul Pogba. C'est ça aussi, la force d'un groupe. Pourtant, il a été tellement fort pendant toute la Coupe du Monde, Kanté. Oh là là. Non, là il... Pogba. Mbappé. Ouais, Rüdiger. Il est obligé. Le N'Golo Kanté qui ratisse tout ce qui bouge à moins de 40 mètres de lui en ce moment. De connaître la même réussite. De Kylian Mbappé. Les gestes techniques de... Transmission. Dans ce début de seconde période, il est resté aux avant-postes là-bas. Benjamin Pavard en retrait, Kylian Mbappé qui emmène et qui n'arrivera pas à remettre ce ballon, tout cas le rendre dangereux pour Manuel Neuer. Et la remise de Pavard
faite avec beaucoup de finesse, mais le premier. Et en retrait pour Toni Kroos, repris par Antoine Griezmann. Le bon travail défensif de Griezmann. Non, même pas un an en novembre, vous vous souvenez, le doublé de la Lacazette. Oui. À quel point le monde va vite et le football en particulier. Le jeune joueur offensif, Mbappé. Oh là là, de jambes. Et ça aussi. Pas de joueur allemand qui propose une solution. Et là, on revoit le passement. Pavard. Mbappé. La réponse de Marco Reus. Et enfin. Enfin tout le talent d'Alphonse Areola qui et Boateng qui s'en sort bien. Griezmann qui oblige Matsumola par SMS au 7-14-14 ou bien appeler le 36-80. Bonne chance à vous, Griezmann. L'extérieur du pied pour Kylian Mbappé. Il y aura Boateng. Mbappé, il s'est un petit peu précipité là, Kylian, parce que s'il avait attendu un petit peu, il y avait Dembélé sur le côté gauche comme solution. Et on revoit là le contrôle, il est bon. Et après derrière, là, maintenant, on subit la pression des Allemands. Pogba, au sommet dans cette Ligue des Nations. Rendez-vous sur la 10, rendez-vous sur... Mais ils ne l'ont pas gagné ce match, les anciens champions du monde. Mais les nouveaux non plus, c'est un 0-0. Analyse de ce premier match post-Coupe du Monde. Ouais, c'est un match contre une belle équipe. Voilà, on a essayé de développer notre jeu, on n'a pas forcément réussi en première mi-temps, au début plutôt, et après on a essayé de se mettre en mouvement pour pouvoir les mettre en difficulté. Ça a été un peu mieux par la suite, mais je pense qu'on peut faire mieux et j'espère qu'on obtiendra la victoire au prochain match. Vous les entendez, les clameurs du public, même en Allemagne, à chaque fois que vous touchez le ballon, vous créez du danger. Qu'est-ce que ça vous procure ? C'est bien. Maintenant, il faut continuer, toujours aller plus haut. Voilà, si les gens m'acclament aujourd'hui, c'est parce que je joue mon football et je respecte le jeu, donc il faut continuer comme ça. Et ça, cette deuxième étoile, ça vous fait quoi de l'avoir là ? C'est bien. Maintenant, on a d'autres objectifs dans cette compétition. Merci, Kylian. Cette deuxième étoile, évidemment, elle brille. On a parlé du gardien.